La TikTokeuse Alice Zogo a perdu la vie dans un accident de circulation dans la nuit du 29 au 30 juin à Yaoundé, près du palais de l'Unité. Avant toutefois de commencer, j'espère que vous allez bien les gars. Veuillez regarder la vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas de liker. Si c'est la première fois que tu ouvres cette chaîne, n'oublie pas de liker et t'abonner sur la notification. Là, tu seras informé à chaque fois que j'aurai des informations sur nos stars africains. Selon les informations recueillies par les médias camerounais, le véhicule de la TikTokeuse aurait été percuté par celui d'un officier de la DCP, direction de la sécurité présidentielle, qui conduisait en état tellement ivre, ce qui veut dire qu'il buvait du whisky au volant au moment du drame. Triste nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre et suscité l'émoi sur la toile. Elle est morte à l'hôpital après que son véhicule a été percuté par un autre. Des bouteilles vides de whisky ont été découvertes dans le véhicule de l'officier. Malheureusement, conduite à l'hôpital, la jeune femme Aline, qui était également enceinte, n'a pas survécu à ses blessures. Aline était connue pour le charme qu'elle dégageait dans ses vidéos. Il y a quelques jours, l'artiste Katino publiait d'ailleurs l'une de ses vidéos dans laquelle elle dansait sur l'un de ses titres. La TikTokeuse cumule près de 62 500 abonnés sur TikTok. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et vous abonner. À plus pour une nouvelle information sur nos stars africains.